la joie d'avoir gagné sur un défi qui n'était pas nécessairement évident. Direct, je repense à ma famille, direct, je repense à tous ceux qui sont autour de moi, les amis, tous ceux qui ont travaillé pour que cette victoire arrive. Il y a surtout de la stratégie, beaucoup d'abnégation. Et pour ceux qui veulent peut-être faire la même chose, c'est surtout un effort de connaissance de l'autre, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa communauté. Ceux qui vivent avec moi, quelle que soit leur communauté, et surtout la communauté dont je suis issu, savent que je ne traite jamais des problèmes avec trop de particularités. Et c'est peut-être pour ça que les gens de toute communauté m'apprécient. Parce que dans ma tête, je ne fais pas de bascule. C'est toutes les communautés qui me parlent et j'ai quand même une expérience de la vie qui me permet d'écouter tout le monde et pouvoir amener la solution qui est possible. Je fais très peu de promesses. Oui, je n'ai pas le même rapport à l'argent avec tout le monde. Je fais partie de ceux qui ne font pas de l'argent une obsession. Et je partage très facilement. Ce que la main gauche donne, la main droite l'ignore. Le seul moment où je peux être en conflit, c'est quand on parle de moi de façon tout à fait erronée. Et ça arrive. Le poste de bourgmestre, c'est quand même exceptionnel. Un ministre est nommé, un ministre peut être déclassé. Mais un bourgmestre, c'est toute une stratégie, c'est un travail énorme. C'est la personne qui va s'occuper d'une entité humaine. Et là, je crois que à ce point, le bourgmestre a quand même l'ascendant sur tous les autres postes. Je suis appelé à travailler et à rendre les gens qui sont dans cette commune, j'oserais dire heureux.